I love this song. So in the old days, yeah. You can imagine that everything is quiet. There's no electricity. The life of the people still live very simply. So in the nighttime, they will go to bed very early. And then we hear this sound all the night, like a natural lullaby. It becomes like a symbol that if your house in the city has this kind of voice, it means that your house is pleasant, natural. I think this is lovely. La Thaïlande est considérée comme la capitale sud-est asiatique des insectes comestibles. Consommée surtout dans les régions nordiques et rurales, on en trouve aujourd'hui jusque dans les supérettes à côté des chips, voire même dans les hypermarchés au rayon gibier. Chaque région de la Thaïlande a sa spécialité. Mais globalement, ce qu'on va retrouver un peu partout dans les marchés de nuit du pays, ce sont principalement les grillons, les criquets, les vers à soie, les vers de bambou, les fourmis, les punaises d'eau géantes, les vers de palme et parfois quelques petits coléoptères d'hiver, le tout frit et prêt à être consommé. Comme au Cambodge, les insectes sont capturés dans la nature en les piégeant à l'aide de lampes de poche ou de néons. Et comme au Cambodge, c'est surtout dans les campagnes qu'on les mange. Du côté des villes, les insectes ont pendant longtemps été considérés comme de la nourriture de pauvres. Mais au cours des dernières décennies, la demande a complètement explosé, ce qui tombe super mal parce qu'il y a aussi eu un fort exode rural. C'est ballot, c'était les paysans qui fournissaient la Thaïlande en insectes. Du coup, la Thaïlande doit en importer de pays voisins comme le Laos ou le Cambodge qui, eux, sont encore très ruraux. Ici, à Aranya Pratet, à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, l'un des plus grands marchés de gros du pays est une véritable plaque tournante du commerce sud-est asiatique des insectes comestibles. Mais l'importation d'insectes capturés dans la nature n'est pas la seule solution pour répondre à l'immense demande du marché thaïlandais. L'autre solution, c'est l'élevage. Et c'est ça qui différencie la Thaïlande de la plupart des autres pays consommateurs d'insectes. C'est l'un des seuls endroits au monde à avoir développé un secteur viable de l'élevage d'insectes comestibles. C'est pour ça que dans cet épisode, nous vous proposons de faire un petit tour d'horizon des différentes méthodes d'élevage d'insectes qui ont été développées en Thaïlande. Allez, c'est parti. Avant toute chose, petit préambule. Pour qu'il soit plus intéressant d'élever les insectes plutôt que de les capturer dans la nature, il faut que le système d'élevage puisse en produire plein pour pas cher. Seulement voilà, capturer des insectes dans la nature, c'est assez pratique quand on y pense. L'environnement et la ferme parfaite, il leur fournit l'habitat et la nourriture dont ils ont besoin pour pas un rond. Bon, par contre, tous les insectes se font bouffer par les prédateurs. Comme quoi, c'est pas une si bonne ferme que ça. J'avoue, c'est de la merde. Ouais. Pour construire une ferme d'insectes viable, il faut qu'elle puisse beaucoup produire, avec peu de contraintes, tout en émulant les conditions naturelles de vie des insectes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec toutes les espèces. Idéalement, on va donc chercher un insecte qui remplisse les conditions suivantes. Il doit vivre en population de forte densité, il doit pas être trop prise de tête à nourrir, et il doit avoir des cycles de vie courts tout en étant très prolifique. Comme on l'a vu au Cambodge, des bestioles comme la mygale ne font pas de très bons candidats. Pareil pour la très populaire punaise d'eau géante, une espèce de saloperie aquatique qui se gave de tortues et de serpents. Et en plus, elle a tendance à devenir cannibale quand on l'élève en forte densité. C'est pas hyper pratique. Et vous savez qui ferait un bon candidat du coup? Eh oui, c'est le grillon. Ça tombe bien, c'est justement l'insecte le plus populaire de Thaïlande. En Thaïlande, l'élevage de grillons a commencé à se développer il y a une vingtaine d'années, et on compte aujourd'hui environ 20 000 fermes de toutes les tailles dans le pays. Mais c'est dans la région de Lisan, au nord-est de la Thaïlande, que les grillons sont les plus populaires. Nous nous sommes donc rendus dans la campagne de Khon Kaen pour rendre visite à Khun Mali, éleveuse de grillons depuis 2011. Pour Khun Mali, tout a commencé lors du mariage de sa fille, quand elle est allée chercher les grillons pour les invités et qu'elle a découvert le prix de vente au kilo des insectes. 1 kg for 150, it's quite good income. For the villagers, he feel that this will make money.
Bien décidée à se faire un blé d'enfer et équipée d'un gros bol d'œufs de grillons, elle a commencé son élevage, qui a depuis bien grandi et a même nécessité la construction d'un nouveau bâtiment. Ici, les grillons sont élevés à peu près pareil qu'au Cambodge, mais à une échelle beaucoup plus grande. Comme on dit dans le coin, same same, but different. They use the egg tunnel. In the nature, they will make the meat in the underground, the soil. So when we make the farming, we have to simulate the environment for them. Inside the farm, the weather will be hot because this is the great atmosphere for them to grow up. Their food is the rice grain, mixing with De l'éclosion à l'âge adulte, les grillons effectuent leur cycle de vie entier dans leurs enclos. On les collecte une fois qu'ils se sont reproduits et qu'ils ont pondu leurs œufs, que l'on répartira dans les enclos pour reformer la génération suivante. Et l'élevage de grillons, ça rapporte. En produisant 2 à 3 tonnes d'insectes par mois, Koudmali se fait un joli chiffre d'affaires. But including the old farm, 300,000 baht per month. All right. Ouais, c'est quand même plus sympa que de les récolter à la main dans la rivière. Pour préparer les grillons, la méthode classique est la suivante. On les fait frire dans l'huile directement avec les feuilles de kombava, puis on les assaisonne avec du bouillon en poudre. Très important ça, le bouillon en poudre. Les sud-est asiatiques en mettent dans tous les plats. People eat it as an appetizer. But if you like particularly, you can eat with sticky rice. On peut aussi en ajouter dans l'omelette ou dans la salade en guise de crouton. Ah, c'est pas mal, ouais. La cuisson est parfaite, c'est genre croustillant sans être complètement cramé. Et l'assaisonnement souligne bien la saveur du cliquet. Du grillon. Pardon. Lisan est une région de la Thaïlande réputée pour ses conditions difficiles. Comme au Cambodge, dans le temps, les paysans récoltaient ce qu'ils pouvaient dans la rizière pendant la journée pour le repas du soir. Cela incluait donc des grenouilles, des petits poissons, et aussi, des insectes. Il y aurait d'ailleurs un proverbe thaïlandais qui dit « Les gens de Lisan mangent tout ». C'est pour ça qu'en ville, les insectes ont longtemps été considérés comme une nourriture de pauvres. Ils vont surtout être consommés par les gens qui viennent de la campagne et qui y voient une spécialité régionale de leur coin. Mais le développement récent des fermes à grillons et la sensibilisation des gens aux problèmes environnementaux ont contribué à faire exploser leur popularité au cours des 10 dernières années. Tu crois que les Isaniens à Bangkok, ils engueulent leurs potes qui achètent des grillons trop chers au 7-Eleven parce que c'est pas comme ça que leur grand-mère les faisait? Non, non, Isaniens, pas Italiens. À part les grillons, il y a un autre insecte très populaire dans les marchés thaïlandais. Direction la province de Pitsanulok pour découvrir une ferme un peu particulière. Nous voici dans la province de Pitsanulok, dans la ferme un peu particulière de Bunju. Les manguiers de son verger produisent principalement des mangues, mais pas que. Ils abritent aussi des fourmis tisserandes. Les fourmis tisserandes sont habituellement collectées dans l'environnement. Mais il n'est pas rare que les fruiticulteurs sud-est asiatiques favorisent leur développement dans leurs manguiers. Pour une raison très simple, elles pètent la gueule aux parasites. During the late afternoon and evening, they like to go from trees to trees, and that way is very good for the farmer so that these ants also will protect sort of parasites or bugs or something that will eat the mangoes. Usually he put chemical to kill the ants because he believed that the ants will kind of destroy the mangoes. But once he destroyed it, he found out that more parasites come and attack the trees more than expectation. So he said, oh, maybe he did not keep the balance of ecosystem, so that's why he have the ants. Du coup, juste pour voir, Bunju a commencé à collecter les fourmis de sa ferme pour les vendre au marché avec ses mangues. Et là, patatras, c'est le plot twist. One day he went to the market and he's selling both of his mango and his ants. It turns out the ants get, you know, finished before the mango at good price. And he said, okay, why not starting farm? Mais alors, comment ça s'élève les fourmis tisserandes? À l'ère de divulgachi, ça s'élève pas. Contrairement aux grillons, les fourmis, elles, sont organisées, autogérées et indépendantes. Elles n'ont pas besoin d'un humain pour leur dire quoi faire ni dans quel arbre s'installer. Il s'agit donc moins de les élever que de leur donner un petit coup de pouce pour qu'elles se développent bien partout dans le verger. Et ça nécessite très peu d'installation. Un réseau de fils à travers la plantation, de l'eau facilement accessible un peu partout, et c'est parti! Elles se débrouillent toutes seules comme des grandes pour construire leur nid, s'étendre d'arbre en arbre hors de la portée des prédateurs, et surtout trouver leur nourriture, aka les parasites. De la cochenille à la mouche soldat, ce sont près de 250 parasites qui viennent tous les jours méthodiquement défoncer les mangues des braves travailleurs.
Autant de parasites qui vont finir dans l'assiette de notre petite communauté de fourmis autogérées. Ce type d'élevage ne nécessite que très peu d'interventions. Tout ce que Bunju a à faire, c'est de les supplémenter avec un peu de nourriture chaque jour. That's for the ants' food. Cook rice and fish once a day only. For the whole orchard, maybe he needs the full bucket of this for one day to feed them to the whole area. So once he put the water in, he kind of tap this hole to call the ants that it's time for feeding. L'environnement du verger correspond aux conditions naturelles des fourmis. On n'a pas besoin de se casser le cul pour les nourrir. Y a pas à dire, ce sont des candidats formidables pour l'élevage. Ce qu'on mange chez les fourmis, ce sont les reines qui pondent des œufs dans les colonies, les fourmis ailées qui sont les seuls individus sexués aptes à se reproduire, et ce qu'on appelle les œufs de fourmis qui ne sont pas vraiment des œufs, mais plutôt les larves et les nymphes. Un peu comme pour les guêpes et les frelons. Comme d'hab, ce sont les stades les plus tendres qui sont les plus appréciés. Et chez les hyménoptères, la famille des fourmis, des guêpes et des frelons, les stades les plus tendres, ce sont les larves et les nymphes. Les fourmis tisserandes fabriquent leur nid dans les branches des arbres, en cousant de grandes feuilles ensemble avec la soie que produisent leurs larves. C'est pour ça qu'on les appelle des fourmis tisserandes, et pas des fourmis charpentières, ni des fourmis chief happiness officer. Une fois leur nid construit, il faut attendre une semaine avant qu'elles commencent à pondre leurs œufs. Et rapidement, on commence à voir les signes qu'un nid est prêt à être récolté. Indicator of the mature nest to be harvested, you can see white, what is that, white web, sort of white web, around the colonies, around the house, and the leaves that they use is tending to be with a little bit going like brown. But the third indicator, I don't want to try because they tend to be more aggressive than usual. They will bite you hard. Pour récolter le contenu d'un nid, on enfile des bottes protectrices, on attache un gros sac à une grande tige, on perce un bon coup entre les feuilles et on secoue pour attraper les insectes. C'est une technique non destructrice car elle ne tue pas la colonie. Ce qu'il faut savoir sur les fourmis rouges, c'est qu'il y a un truc qu'elles adorent. C'est quand un type vient planter un gros bout de bois dans leur nid de façon non destructrice pour venir leur voler tous leurs bébés. Vous avez pas idée à quel point elles adorent ça. Du coup, pour venir nous montrer à quel point elles sont très très contentes, elles viennent nous faire plein de bisous. On n'arrête pas de se faire mordre par les fourmis. J'en ai eu marre. Du coup, j'ai commencé à les mordre en retour. Voilà, une petite fourmi. En fait, elles sont bonnes. Elles ont genre un goût de... citronnelle. Une fois la collecte effectuée, il suffit de saupoudrer un grand plat avec de la farine de riz et de verser la récolte dessus pour faire le tri. Les ouvrières vont s'en aller d'elles-mêmes, telles de braves hyménoptères fortes et indépendantes qu'elles sont, en laissant leurs larves derrière, parce qu'il faut pas déconner non plus. La vache, même pour le tri, elles se débrouillent toutes seules. Pourquoi tous les animaux d'élevage peuvent pas s'autogérer comme ça? Alors, autogérer, certes, mais avec quelques nuances quand même. Normally... he harvests the eggs once a year during April, but he has techniques to kind of induce them to spawn more. Naturally, the ants like to lay eggs when it's rainy season or the rain comes, so he makes sprinkle on the top of the tree or something like that to representing rainfall. It's called natural cues. Habile. Bon, par contre, du coup, effectivement, les fourmis sont tellement autogérées qu'on ne maîtrise pas leur reproduction. Mais arrête de vouloir maîtriser leur reproduction, respecte leur intimité un peu, qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Bah oui, mais c'est pour améliorer la souche. Je veux dire, c'est un peu pour ça qu'on se casse le cul à élever des animaux depuis des milliers d'années plutôt que de les chasser dans la forêt. Améliorer la souche, Bunju a essayé de le faire. Originally, it's from his own farm, but basically, he just take the nest from the mountainside and put here. In this orchard, the idea of bringing the outside ants is because he is afraid of the inbreeding as well. Inbreeding problem. Ceux d'entre vous qui ont lu Bernard Werber savent qu'il y a un truc que les fourmis adorent. Ce sont les autres colonies de fourmis. Deux colonies de fourmis vont être tellement copines l'une avec l'autre qu'elles vont se faire plein de bisous et organiser des batailles d'eau géante, mais avec de l'acide formique à la place de l'eau. When he bring the nest from the mountainside, this guy has to fight for their territory. It's kind of competitive between two things. Mm-hmm. But now they mix and match together. L'élevage de fourmis dans les vergers s'accompagne aussi d'un certain nombre de contraintes. This farm is 100% organic because if you use inorganic in some way or somehow, that will also kill the ants. So he tends not to use it to preserve the ants colony here. Mais du coup, comment on prépare les fourmis? Est-ce qu'on les fait frire, comme pour absolument tous les insectes qu'on a vus jusqu'ici? Eh bien justement, non! La cuisine aux fourmis est particulière, car ces insectes ne sont pas assez consistants pour en faire des encas comme les grillons. D'un point de vue culinaire, les fourmis sont des condiments. Les œufs des fourmis s'intègrent parfaitement dans l'omelette, par exemple, en lui donnant une texture crémeuse.
Quant aux adultes, elles ont une texture croquante comme de la ciboulette et une saveur citronnée très puissante sans avoir d'arrière-goût végétal. Et une recette qui met cet ingrédient en valeur à merveille, c'est le myang. Le principe du myang est de faire une salade, généralement avec de la mangue ou de la papaye, quelques légumes, du piment et des cacahuètes, et de la servir en petites portions enroulées dans des grandes feuilles, comme des feuilles de noix de cajou ou de noni. Noni ! On peut faire du myang avec plein d'ingrédients différents, dont les fourmis. Et ça marche super bien. Spicy ? Yes. C'est une salade sous forme de canapé. C'est pas mal acide et épicé aussi. L'acidité des fourmis et l'épice du chili qui se marient ensemble pour faire une saveur très très puissante. Ça va super bien ensemble, le piment et les fourmis. C'est le meilleur canapé que j'ai jamais mangé. Leur rôle de condiment font des fourmis les insectes les plus intégrés dans les recettes qu'on ait pu voir jusqu'à présent. Elles ne sont pas juste frites et mangées à côté, elles sont un élément à part entière des plats dans lesquels elles sont utilisées, créant une harmonie des saveurs qui peut difficilement se passer d'elles. La place harmonieuse des fourmis dans la cuisine thaïlandaise reflète donc un petit peu leur place harmonieuse dans l'agriculture thaïlandaise. Ça fait réfléchir. À présent, il est temps de visiter une ferme un peu différente. Les insectes qui y sont élevés sont, pour le moins, cauchemardesques. Vous vous rappelez de l'échelle de facilité de consommation des insectes ? Bah à mon avis, celui-là, il peut se situer au-dessus de la migale. C'est la deuxième espèce la plus élevée en Thaïlande après le grillon. Et on ne la trouve que dans le sud du pays. Direction la province de Surat Thani pour découvrir un élevage un peu particulier. Ce qu'il faut savoir sur la péninsule thaïlandaise, c'est que c'est une région forestière dont l'économie est fortement basée sur la culture du bois, comme par exemple le caoutchoutier, le durian, les différentes espèces de palmiers. Du coup, c'est normal que l'insecte emblématique de la région soit lui aussi forestier. On y trouve ces jolis buprestes, par exemple, des coléoptères bien croustillants. Mais l'insecte qui nous intéresse aujourd'hui est un peu moins brillant et un peu plus terrifiant. Laissez-moi vous présenter le charançon rouge, un coléoptère parasite des palmiers. Il a pas l'air terrible. Ah, faut pas s'y fier, ça c'est l'adulte. Ce qu'on mange, c'est la larve. Ok, j'avoue, c'est terrifiant. It looks like me in the morning when I have to get out of bed. There is a long story of Saku with Thai. Since he was young, the Saku has been used for cooking many, many years ago. The economy is not good. The battery, palm tree, durian are important trees in this province, so the price of rubber tree is not good. That's why she made a decision to start this new one. Sang et Niu élèvent leurs vers de palme dans des bassines et les nourrissent avec du bois de sagoutier. This is for 15 days. It's full of carbohydrates. Using saku tree gives a sweet smell, a bigger worms than using another plant. This is about 20 days. Ouais, tu m'étonnes que ce sont des parasites des palmiers si elles foutent le bois dans cet état-là. Parlons un peu du cycle de vie de ces mignonnes petites larves. Tout commence avec une bassine, dans laquelle on met du bois de sagoutier, un bon bol de croquettes pour cochon, quelques écorces de noix de coco, un peu d'eau et quelques bananes. On ajoute 10 adultes, 5 mâles et 5 femelles, et c'est parti. Ceux-ci vont maintenant passer leur temps à manger les bananes, jouer à Maya l'abeille et pondre leurs œufs dans les noix de coco. Jouer à Maya l'abeille, t'es sérieux ? Oui. Pour des coléoptères, c'est cocasse. 30 à 40 jours plus tard, on obtient alors environ 1 kg de larves par bassine, prêtes à être collectées et vendues à 200 bahts le kilo. Et Sang commercialise aussi les charançons adultes. Il les vend 5 bahts. Quoi, 5 bahts le kilo ? 5 bahts le charançon ! Oh, waouh ! Eh ouais ! En fait, on maîtrise totalement la reproduction des charançons rouges. On en est à mettre des insectes individuels dans les bassines pour la ponte. Tout est en place pour améliorer la souche si on a envie. Sang commercialise ses insectes à travers toute la Thaïlande, que ce soit pour des restaurateurs, des marchés de nuit, ou même pour des supermarchés de gros, comme ici à Makro. He run business. That's why he gets an order from the whole country. Oh. They're flying away. Et en parlant d'adultes, comment est-ce qu'on en produit ? Bon alors, tout d'abord, pour ceux qui suivent, le charançon, holométabole ou hémimétabole ? Hémimétabole. Holométabole, tout à fait. Exactement. Du coup, contrairement au grillon, on ne peut pas collecter les insectes après qu'ils se soient reproduits. Sang garde donc quelques larves de côté, et un mois plus tard, elles se transforment en nymphes. Elles fabriquent des cocons en fibres de noix de coco. Et 45 jours plus tard, ce sont de jolis petits charançons rouges qui en émergent, prêts à manger des bananes et faire des galipettes. L'un dans l'autre, l'élevage de vers de palmier est une alternative plutôt correcte à sa récolte sauvage. There are not so many sahugum in the nation. So normally it's for cooking in house, not for selling, not for running business. If you want to run a business, you have to make your own farm. Pour cuisiner ces jolies petites larves, il faut d'abord bien les nettoyer et les faire bouillir. On peut alors les faire revenir dans de l'huile et les assaisonner avec de l'ail, du poivre, du basilic sacré. Et c'est hyper bon, c'est un goût de moelle, un peu épicé, avec de l'ail et du poivre. Il a un peu le goût du bois, étrangement.
Thai believes is for like to increase male power or something. Oh, okay. Something like that. I must try it, fair enough. Là où les grillons sont des chips et les fourmis des épices, les vers de palme sont fonctionnellement plus proches de la viande et peuvent être mangés accompagnés de riz et de légumes. C'est aussi l'un des insectes les plus riches en lipides. Et qui dit lipides, dit réaction de Maillard. Mais ouais, on dit souvent que les insectes sont bons pour la santé. En fait, ça dépend surtout de l'insecte en question et des besoins alimentaires. Si vous êtes sous-nourri et que vous avez besoin de calories, le ver de palmier c'est fait pour vous. Mais si vous cherchez des protéines avec peu de graisse, alors mieux vaut taper dans du grillon. Mais la cuisine thaïlandaise aux insectes n'est pas confinée à sa pratique traditionnelle. Dans les grandes villes, il y a des gens qui essayent de faire évoluer cette gastronomie au-delà des insectes frits sur les marchés de nuit. Un peu comme au Japon et au Cambodge en fait. Et quel meilleur endroit pour étudier la gastronomie thaïlandaise que Chiang Mai, capitale culinaire de la Thaïlande. Pour vous donner une idée, Chiang Mai est un petit peu la Lyon de la Thaïlande. Ou peut-être que c'est Lyon qui est la Chiang Mai de la France ? C'est ici, à la faculté des sciences de l'université de Chiang Mai, que nous avons rencontré le docteur Pan Huan. Elle et son équipe travaillent sur un projet un peu particulier. Ils ont mis des insectes dans les tubes à essai de la science. Voilà. So those are the insects you are working on? Yeah, we got the insect from the market. We dried a sample. It's very strong. Cool. And then we extraction use different solvents like water, hexane and ethanol. We have found that these insects have high nutrition value and also have medicinal property. For example, antioxidant activity. Antibacterial activity, and some have anti-cancer activity. We would like to make a database on which insects has that properties. Toutes ces recherches ont pour objectif le développement de nouveaux produits alimentaires à base d'insectes, comme ces délicieuses pâtes à tartiner aux nymphes de verre à soie ou ces verres à soie séchés à servir à l'apéro. It's a very interesting taste. This one has a bit of a salty aftertaste. I mean, I couldn't tell it's made with insects or anything else. It really looked like nuts or something like that. Maybe a peanut or walnut. C'est très très bon. Il y a beaucoup beaucoup de goût, mais surtout c'est la texture qui est hyper intéressante en fait. Ça fait très curly sur le beurre, mais dans l'intérieur, c'est ferme, ça fait un amuse-gueule solide en fait, qui irait très bien avec une lager, je pense, une lager bien fraîche ou une bière blanche pour le contraste. Les verres à soie sont aussi broyés pour en faire une poudre qui remplacerait le bouillon de poulet beaucoup utilisé en assaisonnement dans la cuisine thaïlandaise. We develop flavoring powder using this one, so we can use instead of monosodium glutamate or MSG. I already tested, it's exactly like soup, nice soup, you know. You're right. And they have some sweet from the silkworm. Why do you think it is important to develop new products? Insects in the past, it has been consumed by a rural area. So it's actually the food for the poor. But actually good. Because it's safe, it's high nutrition value. But now, with the food security, we would like to promote this. So it's become a food for future for the people that can have access to the safe and nutritious products. Effectivement, si on veut utiliser les insectes comme protéines du turfu, on va difficilement pouvoir se contenter de grillons frits. Et Annie, moi les protéines du futur, je veux bien en manger, mais je suis toujours persuadée que les insectes, bah c'est un peu crado. Comment je fais pour remplacer mon steak par des grillons? Eh bien c'est d'être en toi. Les insectes sont très bons et nous allons nous rendre dans un endroit très particulier, rencontrer une équipe de cuisiniers qui va te le prouver. Allez Marcel, à Bangkok, mais ne grillons pas les feux rouges. Un endroit un peu particulier, je commence à saturer des endroits un peu particuliers moi. On peut pas visiter un endroit banal pour une fois? Ça commence à vraiment être loose-bull sur cette carte. C'est dans le marché branché de Changchui qu'on trouve Insects in the Backyard. Au menu de ce restaurant, des plats de haute cuisine à base d'insectes. It's delicious. Have you had insects before? Not prepared this way, not in a restaurant, no. I love this place. This is one of my favorite restaurants. I think that it's really well designed, it's really beautiful inside, and the food is really good. You can tell the chef is an area of interest he wants to explore and he wants to share with people. And I think that there's a lot of creativity in it. For example, right now I'm eating the risotto, and it has shrimp and grasshoppers as well, and I think it's kind of a playful way to show the similarity, that one thing is totally normal and nobody would bat an eye, and then for some reason you add the smaller one, it's essentially the same thing, and all of a sudden it's, you know, crazy. Here we do try to serve insect in the fine dining. This insect is a good source of iron, magnesium, but people never serve the insect in the on the table because maybe people think insect is cannot eat, like it look not that nice. But actually will be the good source of the protein
for the human in the future. Donner l'envie aux gens de goûter des insectes en leur montrant que c'est super bon, ça me rappelle quelqu'un, mais qui ? Cette revisite des recettes traditionnelles s'inscrit dans un mouvement très récent de réappropriation des insectes par les citadins thaïlandais un peu hipsters. Pour donner envie aux gens d'en manger, Insects in the Backyard transforme donc ce plat populaire en un plat gastronomique haut de gamme. Au fond, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Europe avec la bouillabaisse, les huîtres et le homard. Alors, est-ce que les insectes seront le prochain homard ? En tout cas, ils ont la même gueule. Homard de demain ou homard d'alors, d'où viennent donc tous ces insectes ? The insect we have the farm. Les fermes ? Mais quel choix atypique et inouï, dites-moi ! La collecte sauvage serait-elle inadaptée ? If we serve in a restaurant, we cannot catch the insect from the wild. For the hygiene reason, we need to do farming for the safety for the customer. Sometimes nature could be better, but you know, we cannot make sure. Like how it's grown up, what did they eat when they grown up. Attends, il y avait des criquets au menu. Il y avait des raviolis au pâté de punaises d'eau. C'est pas exactement des insectes pratiques à élever, ça. So it is possible to farm all the insects? Yes, of course. D'accord. Au cours de notre étape thaïlandaise, c'est vrai qu'on a surtout vu les insectes pratiques à élever. Mais apparemment, on peut aussi élever les insectes relous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ce serait quand même vachement bien de développer l'élevage des insectes plutôt que de continuer à les prélever dans la nature. Les fourmis, par exemple, se raréfient. Et ça, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en tant que prédateurs, elles rendent des services écosystémiques importants de régulation des parasites. C'est d'ailleurs précisément pour ces services écosystémiques qu'elles sont autant appréciées des fruiticulteurs. Par contre, ça ne s'applique pas aux vers de palme. C'est eux les parasites. Et les récolter dans la nature peut être une forme de régulation biologique bienvenue dans cette région qui se repose beaucoup sur la sylviculture. Au fond, les services écosystémiques étaient en nous depuis le début. Mais peu importe, car même si l'élevage permettrait de laisser se régénérer les populations d'insectes sauvages, y compris celles qui pourrissent les récoltes, ça reste un système qui permettrait de se fournir en insectes de qualité tout au long de l'année sans avoir à en importer. Et donc sans se reposer sur le fait que les pays avoisinants sont encore majoritairement ruraux. L'élevage permet aussi de garantir la sécurité alimentaire des insectes en contrôlant ce qu'ils mangent. Bah ouais, quand tu trouves une sauterelle dans ton jardin, tu sais jamais vraiment où elle a traîné. Au Japon, ils faisaient exprès d'y aller mollo sur les produits phyto dans les champs, justement pour pouvoir manger des insectes. Mais c'est pas comme ça partout. Et puis la plupart des élevages d'insectes qu'on a vus peuvent parfaitement s'intégrer dans pas mal de systèmes de production différents. Déjà, c'est une excellente façon de valoriser les coproduits. C'est quoi un coproduit ? Alors, c'est un produit que tu as fabriqué en même temps que le produit que tu voulais, sauf que tu en voulais pas, mais si t'en fais rien, c'est un déchet, donc tu en fais un truc. Ah, comme les nymphes de verre à soie dans les cocons. Comme les nymphes de verre à soie dans les cocons. L'unique objectif de la sériciculture est de produire de la soie. Aucune ferme n'élève de verre à soie pour les manger. Donc techniquement, vendre les nymphes sur les marchés ou en faire des pâtes à tartiner, c'est une façon géniale de valoriser ce coproduit qui autrement ne sert à rien. L'élevage des insectes est un bon moyen d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs en leur permettant de diversifier leur production avec une activité très lucrative. Prenons le cas des fourmis de Benju par exemple. Elles se vendent de 350 à 500 bahts le kilo, ce qui en fait l'un des insectes les plus chers du marché. Plus cher que les grillons et plus cher que la viande elle-même. En même temps, c'est normal, c'est un condiment. Les épices, ça se vend pas à 2€ le kilo. Au total, les fourmis rapportent 60 à 70 000 bahts par an à Benju, ce qui est 3 à 4 fois moins que ce que peuvent rapporter les grillons en un seul mois. Mais avoir un gros chiffre d'affaires n'est pas forcément au cœur de la démarche de Benju. Déjà parce que les fourmis ne sont qu'un produit de la ferme parmi d'autres, aux côtés de mangue bien sûr, mais aussi des poulets, des porcs, des oies, des poissons têtes de serpent, des grenouilles, des crabes et d'autres légumes et plantes aromatiques diverses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ferme de Benju s'inscrit dans une initiative particulière. All is starting from the Royal Project, where they want you to live a good life. En Thaïlande, ce qu'on appelle le projet royal, c'est une initiative du précédent roi qui visait à développer les méthodes agricoles alternatives dans le pays afin de permettre aux agriculteurs de vivre de leur production pour améliorer leur qualité de vie. L'idée étant que celles et ceux qui produisent la nourriture ne devraient pas se retrouver à mourir de faim. Ni à cultiver de l'opium pour s'en sortir. We can say it is extensive farm. This farm is like supermarket. It means they don't need to go out, they just harvest things that they home grown in here. You have only fish farm or you have only pig farms, that means you have to buy a lot, you have to buy food for them and everything, but if you have a little bit of this and that, that's enough to feed your family, and also you paying less for the inputs. You can have more revenue by decrease what you have to expend daily.
So yeah, it's pretty much like sufficiency economy as the king said before. L'élevage des insectes peut donc bien s'intégrer dans ce genre de système extensif familial qui est encore très répandu dans le nord et le nord-est du pays. Mais ça tombe bien, c'est justement dans ces régions-là qu'on consomme le plus d'insectes. Et pour développer l'élevage d'insectes dans la région, la ferme de Benjo va justement devenir un centre de formation pour apprendre aux fruiticulteurs à élever des fourmis dans leur verger. There will be many people who come to learn the knowledge from him and want to do beaver ants farm like him. Pendant longtemps, Kunmali a, elle aussi, formé les nouveaux éleveurs de grillons qui voulaient se lancer dans l'entomoculture. Sa ferme de grillons était l'une des plus célèbres de Thaïlande. Everybody comes here in order to study how she make the cricket farm. They learn the knowledge from her, they get the eggs. The same as she start. L'objectif de Kunmali est d'aider les agriculteurs à améliorer leurs conditions de vie. Et pour elle, l'élevage d'insectes est une bonne solution pour ça. Mais c'est trop cool ça! J'imagine que tous les éleveurs de grillons doivent être trop contents d'avoir plein de nouveaux copains et de plus être tout seul sur le marché. Alors à propos de ça... This cause conflict with other villagers because if you sell the eggs, it means that other people can make the farm as well. And there will be the challenges to you. There will be the competition about the price in the market. L'un des soucis des éleveurs de grillons, c'est le manque de coopération pour se coordonner. La course actuelle à la baisse des prix du grillon risque de mettre la profession en difficulté à long terme lorsqu'il s'agira de négocier face aux distributeurs. Et ce n'est pas tout. Les éleveurs de grillons sont avant tout des agriculteurs soumis aux mêmes contraintes que les autres. Et il y en a une de contrainte qui fait très régulièrement des ravages dans l'Issan. The unpredictable weather also cause a big problem for the farmers. Vous l'avez peut-être remarqué, la ferme de Kunmali est très vide. En 2017, de fortes inondations ont ravagé l'Issan, et son élevage en a été l'une des premières victimes. Entre le coût des réparations, sa dette, les intérêts et la nourriture pour les grillons, aujourd'hui, financièrement, Kunmali ne s'en sort plus. In her prosperous time, she used to give knowledge for the others. Now, her life is negative because of the natural disaster. She said with me that, or else, she don't know how to do, just at last, maybe she have to close this farm. Et ça, c'est dramatique. Mais je comprends pas. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le Royal Project, les améliorations dans la vie des agriculteurs? Y a pas des subventions pour pallier aux intempéries? Alors oui, mais... The news is not come from the newspaper every day. And not every house read the newspaper every day. People who live as the distant area doesn't hurt any policy or any news that will be benefit their life. For example, the agricultural bank have the project that every farmers or the cricket farm should register so that in case that you got damage from any uncontrollable condition, they can consider about giving you the loan. But she didn't know about the registration. Right. Yeah. Donc ouais, l'élevage d'insectes peut aider les gens à améliorer leur vie. Encore faut-il que l'information circule. Et malgré l'exode rural, la Thaïlande reste un pays où les campagnes sont encore parfois trop isolées. Un isolement que les agriculteurs subissent parfois de plein fouet. Cette étape conclut donc notre trajet en tomocole à travers l'Asie. Et entre le Japon, le Cambodge et la Thaïlande, un thème commun se dégage. Celui d'une pratique traditionnelle confrontée à la modernité. Putain Seb, arrête avec ce lieu commun. On a compris, le présent se situe entre le passé et le futur, ça s'appelle le temps. Oui mais si, tu vas voir, ça concorde. Tu sais quoi? T'as le droit de dire encore 5 fois tradition et modernité, et après ça je confisque la caméra. Deal. Au Japon, la consommation d'insectes a pendant longtemps été très commune dans les régions montagneuses. Puis, avec la révolution agricole, non seulement il y a eu moins d'insectes disponibles, mais en plus il y a eu des façons un peu plus pratiques de manger des protéines. Aujourd'hui, d'un point de vue agricole et nutritionnel, les insectes au Japon relèvent plus d'une tradition stylée de certaines régions montagneuses plutôt que d'un impératif nutritionnel. Alors qu'au Cambodge, c'est l'exact inverse, puisque les insectes font encore couramment partie du menu de plein de gens dans les campagnes. C'est pas seulement une tradition régionale un peu rigolote, c'est un ingrédient encore pertinent d'un point de vue nutritionnel dans l'alimentation khmer. Et entre la surchasse et la déforestation qui menacent les populations de migales sauvages, eux, la modernité, ils la subissent plus qu'autre chose. Et la Thaïlande dans tout ça? Eh ben, comme au Cambodge, la consommation d'insectes est ici aussi pertinente d'un point de vue alimentaire dans les régions rurales, mais contrairement au Japon, elle ne va pas se cristalliser dans une pratique traditionnelle. Malgré un désintérêt relatif des insectes par les citadins, de récentes initiatives ont permis à l'entomoculture de se développer pour atteindre des niveaux historiques dans le pays, dans l'objectif de répondre aux futurs enjeux de sécurité alimentaire et d'améliorer le développement rural. La Thaïlande puise donc dans ses ressources traditionnelles pour trouver des solutions à des problèmes modernes. Non, stop, ça fait 6 fois là, t'as plus de vie.
Non mais ça tombe bien, j'avais fini. C'est sur ces belles paroles que nous allons vous quitter. Comme d'habitude, si vous voulez vous aussi essayer les recettes thaïlandaises à base d'insectes, n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo culinaire dans la description de la vidéo. Quant à nous, il est temps que nous quittions l'Asie pour nous diriger vers d'autres horizons. Prochaine étape, l'Australie. Mais tu vas où? Mais Seb, qu'est-ce que tu fous? C'est pas par là l'Australie.